Le tourisme dépasse le pétrole. Voilà, nous sommes à Singapour, Singapour la belle. Cet espace, on appelle ça Marina Bay. Voilà. Là, c'est la mer Lyon. Voilà. Regardez vous-même. Et nous sommes lundi. Hein. Nous sommes lundi. La seule chose que Dieu les a donnée, c'est l'eau. Et regardez vous-même. Nous sommes lundi. Non pas le coton, non pas le pétrole, non pas le diamant, non pas le coltan. Mais regardez comment le pays est développé. Regardez. Il est développé. Ils ont misé sur le tourisme. Nous sommes lundi, regardez comment le monde. Et là, nous sommes encore à 15h. Donc d'ici 17h, 20h là, il n'y aura même plus de place là. Ah oui. Donc imaginez, demain, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, alors n'en parlons plus. Ça donne beaucoup d'argent. Et ce n'est pas seulement cet endroit qu'ils ont développé. Mais oui, Singapour, une seule ville, un pays. Et les gars ont tout misé là. Le tourisme, ça paye. Mais dans notre pays, il y a détruit le Cameroun. Si tu expliques le tourisme à un Cameroun, il va te dire que le tourisme, c'est quoi? Mais oui, et là, ça rapporte. Mon petit Hans, il faut voyager. Ouais. Avec ton ami là, ouais, c'est Charmy. Surtout celui-ci, un bon villageois, Franco. On ne voyage pas tout parce qu'on ne va pas chercher l'argent. Non. On voyage pour découvrir. Pour se rendre compte qu'on était dans un trou. Hein? Parce qu'on voulait parler là. Oh, je me sens bien ici. On ne voyage pas tout parce qu'on cherche l'argent. Et même si c'est le cas, tu as l'argent, mais tu ressembles à quoi? Hein? Tu ressembles à quoi? Hein?